Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à Calmont, justement. Anthony Rocci, 35 ans, je viens de Lyon, pilote pro en drift, et puis à Calmont, on va rouler la GT86 d'Axel. Et ben ouais, Axel, il m'a prêté la GT, c'est extrêmement gentil de sa part, sachant que j'ai passé un début de saison catastrophique, cassé un premier moteur avant Val d'Argenton, et un deuxième moteur en Allemagne à Ferropolis, la compétition que je voulais vraiment vraiment performer. Et j'ai fait trois passages en training et le moteur a cassé. C'est comme ça, on sait qu'on est confronté à ça dans la mécanique, c'est, ça fait partie du truc. Il y a plus grave dans la vie, mais bon là ça fait mal au budget. On ne sait pas comment on va faire pour rebondir. Mais Axel était là, il a pris un peu pitié de moi et puis voilà. Elle va bien, je suis bien, donc il n'y a plus qu'à envoyer demain et puis voilà. Moi franchement je me sens super bien en fait, j'ai essayé chez lui avant de venir sur un parking. Et direct j'étais bien, il y avait un bon retour de volant, du grip et tout, trop à l'aise. Et puis lui il m'a vraiment mis à l'aise, il m'a dit écoute, te casse pas la tête, vas-y roule, comme tu sais rouler et puis voilà. Le point amélioré c'est vraiment le gabarit de la voiture que j'ai du mal à me régler par rapport à ma E30 qui est beaucoup plus longue. Et les repères que j'avais l'année dernière, cette année je suis, quand j'ai l'impression d'être dans le mur, bah en fait j'ai au moins quasiment 80 cm. Donc je vais me baser par rapport à ça, puis demain ça va le faire. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks hair color of the rainbow. Yeah, chains on me like Axel François, sur la ligne de l'étape. Anthony Rocci qui va prendre le départ. Il s'est fait prêter la voiture par Axel, super sympa. Thank you.
passé le week-end à Calmont, on s'est régalé. C'est un super tracé qui est pas très loin de Toulouse, dans le sud de la France. Aux qualifications, j'ai tenté un truc, j'ai demandé à Rija, RR Technics, de me mettre de l'anti-lag, parce que comme vous savez, sur cette voiture, j'ai le turbo à l'arrière. Alors ceux qui se demandent pourquoi j'utilise la voiture qui a le turbo à l'arrière, parce que normalement c'est pas très adapté à un togué très sinueux. Il y a Anthony Rocci qui roulait avec mon autre voiture, voilà, je vais la refaire depuis le début. Il a cassé en Allemagne, il était emmerdé, j'ai proposé une voiture. Et après je me suis gratté la tête et j'ai dit bon, si j'y propose une voiture, il lui faut une voiture facile parce qu'il la connaît pas du tout, on n'a pas eu le temps de faire trop d'essais. Donc j'ai donné celle qui va bien et moi je me suis gardé celle qui a le turbo derrière et qui a pris quand même pas mal de lag. C'était Anthony Rocci qui est là. Je suis très content parce qu'Anto, du coup, malgré que la voiture soit facile, il a fait 4 tours de parking comme il faut. Et là, il s'est retrouvé sur une route de montagne avec des rails et tout ça. Il a super bien roulé, il s'est bien qualifié, il s'est bien battu jusqu'en top 8 quand même. Donc ça prouve que c'est un bon pilote et ça prouve aussi que la voiture est bonne, que le staff derrière la rend fiable. Donc voilà, là vraiment, l'équipe, c'était top. Un top 8 sur une découverte de voiture, c'est incroyable. Moi, du coup, je me suis retrouvé avec celle-là qui n'est pas très adaptée. Et ça m'a fait travailler toute la nuit. Il m'a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un anti-lag, mais tout le temps. Et là, j'ai dit, ouais, c'est chaud quand même, parce que l'anti-lag tout le temps, j'ai jamais fait de ma vie, moi, ça. Et il m'a dit, t'inquiète, on va gérer. Donc voilà, il m'a mis un anti-lag qui marche tout le temps. Et j'ai redécouvert une voiture qui n'a plus du tout de lag, malgré le turbo derrière. La voiture, c'est une fusée. Et c'est tellement une fusée que... Quand j'arrivais sur la ligne d'arrivée, à chaque fois, je me faisais un peu des frayeurs. La voiture arrivait plus vite que d'habitude et même plus vite que l'autre qui est derrière. Regarde, regarde-le dedans, l'arrière, il est pas en pire, là. Voilà, mais comme ça, là. Vas-y, rêve, hein. Oula, faux départ de Mathias Locatelli. Eh bien, en cas de faux départ du leader, c'est 1-0. Axel François a refusé la décision et a fait exprès de regripper pour relancer la battle, la finale qui va se rejouer. Contre Mathias. Bon, Mathias a fait un petit faux départ. Il était, je pense, un peu trop chaud d'être contre moi. Ça veut dire que le daron, il met encore un peu la pression aux petits jeunes. Ça fait plaisir. Bon, il fait un faux départ. Finalement, moi, je fais un regrip dans mon run. Donc, ça donne un one more time. On se fait un one more time, tout ça. Et dans son one more time, il roule super fort. Il est collé à moi. Et en fait, je l'entends et je reste à fond. Je passe à une d'arrivée et je reste encore une bonne seconde à fond. Et là, je vois le copain là, de la Red Team, il me fait des grands signes du genre « t'es trop vite, ralenti ». Et en fait, j'appuie sur les freins, c'était pas assez, j'ai mis un coup de câble pour la ralentir en latéral. Et avec les pneus qui étaient bouillants et le fait que je connaisse pas ce virage-là, puisque j'ai jamais fait en glisse celui-là. Et voilà, je me suis retrouvé en travers, j'ai vu le talus, j'ai dit « bon, on va y aller ». Et voilà, c'était assez chaud, c'était cool. Après, la voiture a pris feu, ça c'était marrant aussi, c'était cool. Et heureusement, ils n'ont pas trop mis d'extincteur parce que ça rouille les voitures. Donc j'ai dit, calmez-vous, pas trop d'extincteur. On l'a éteint. Après, fil des pannes, merci. Il m'a tiré un câble, il m'a arraché ma sangle. C'est pas sa faute, c'est la mienne. J'avais pas attaché, j'avais attaché avec des riselants. Marche pas. Et après, on a attaché vraiment au châssis. On a sorti la voiture et on s'est retrouvé donc sur, voilà, avec tout le monde, tous les spectateurs qui étaient là. Donc je tiens à vous remercier aussi. Vous m'avez mis une ambiance de fou. Vous avez joué le jeu aussi, vous m'avez acheté plein de t-shirts et de casquettes. Donc je vous remercie, ça permet de mettre de l'éthanol dans la charrette là, qui consomme beaucoup. Donc merci voilà, à tous, aux spectateurs, à toute l'organisation,
à toute mon équipe qui a été là, à Anthony qui a bien roulé, merci à tout le monde. Donc vivement la prochaine course. Et la prochaine course par contre ce sera en... C'est quoi le pays déjà où il parle bizarre et que je me suis cassé le doigt? La Pologne, c'est ça. Le week-end prochain je suis en Pologne, je suis fatigué là. Donc la Pologne c'est Geiger. Et après la finale en France c'est super Geiger parce qu'après on a plein de temps pour réparer les voitures qui se font casser. Donc voilà, je tiens à préciser à mes concurrents, je vous souhaite d'aller très vite parce que sinon je vais vous aider à aller très vite. Salut.